Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est heureuse de vous rejoindre cette semaine pour vous présenter la sixième leçon de l'école du sabbat, intitulée « Les racines d'Abraham ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour le débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là. Nous comptons, oui, pour le privilège. Pour nous, nous sommes capables de réunir le moment ça. Dans le but, pour nous capables de présenter le son, l'école sabbat pour confier à nous, pour m'adapter à nous-mêmes, pour nous faire travailler ça. Et nous demandons assistance Saint-Esprit qui est capable de permettre de continuer. Été sous direction Saint-Esprit et qu'on soit tout ça qu'il a dit et qu'il a fait application capable de mettre et nous capable de problème pour nous y a pour jusqu'à ce que vous retournez. Que nous sentir présents sous au nom de Jésus. Monsieur, mesdames, messieurs, la Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la sixième leçon du trimestre intitulée « Les racines d'Abraham ». Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 11, le verset 8, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage » et qu'il partit sans savoir où il allait. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes capables de comprendre que nous arrivons au cœur du livre de la Genèse, côté que partie, ça c'est une partie centrale, depuis dans Genèse 12 jusqu'au Genèse 22, qui couvrit voyage Abraham depuis notre premier appel que le te recevoir le bon Dieu, à côté que dans mot hébreu qui dit leka, il signifie va, et selon Genèse 12 premier, et qui conduit Abraham à quitter pays natal li pour que li parti sans que le par contre côté que le pour aller, Genèse 22 2, qui conduit aussi Abraham à un avenir côté que li pral gen un petit que bon Dieu promet lui et Abraham déplacé constamment même après premier voyage non nous ka wè si que nous wè vie Abraham c'est une vie de migrant côté que au contraire était même relé étranger parce que tout le temps l'a déplacé on va wè ça au cours de voyage Abraham il était censé suspendu dans le vide parce que li pa konn vraiment qui ça avenir a venir li laisse pays li perdu toute bagaille tout ça que l'te gain c'est parce que l'te gain la foi nan bon Dieu li te pour que l'te capable encadrer itinéraire de la foi Abraham tande voix bon Dieu dans tous les deux voyages qui a pe a rassuré n'aie pas peur ces trois mots de la part de Dieu et ben yo manqué les trois parties du voyage d'Abraham que nous va étudier en la semaine qui va venir dans leçon 6, leçon 7, leçon 8. Eh bien, Abraham est donc l'illustration de la foi et dans la Bible hébraïque non nous capable présenter Abraham comme l'homme de foi et dans le Nouveau Testament aussi Abraham est l'un des personnages de l'Ancien Testament les plus cités et cette semaine nous va comprendre pour qui raison. Voilà pourquoi nous avons demandé à Pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable dit nous sous première partie le son qui parlait du départ d'Abraham, le départ d'Abraham. Le départ d'Abraham c'est passé dimanche, c'est 1er mai et nous avons entré dans l'autre partie biblique, pas oublier histoire yo ensemble yo marché de pair. Nous avons après création de la leçon 1, nous avons Adam et Ève, nous avons Caïn avec Abel, nous avons Noé, nous avons petit Noé, nous avons Babel
et nous voyons bon Dieu diviser langue peuple là. Maintenant bon Dieu dernier monde qu'il parlait avec dans l'histoire biblique avant qu'il rencontre avec Abraham, il parlait avec Abraham, c'est Noé. Il fait Noé promesse, il dit Noé clair que la bénit la terre. Vous faites promesse. Promesse ça va réaliser avec la rencontre de l'Éternel avec Abraham que moi m'avoir n'a étudié dans lorsque lui dans Genèse 12 verset 1 à 9, c'est pour la première fois bon Dieu parle avec un autre monde après Noé. Réalisation promesse mon prophétie ça, il va arriver en bien le bon Dieu dit à Abraham pour quitter pays, le départ, action font mouvement pour quitter Kodotéa, pour quitter derrière lui le passé. Abraham, tu dois quitter connaissance li, tu dois quitter famille, tu dois quitter pays li, li même tu dois quitter une partie de lui-même. Donc, il est difficile, on capable voir son dazim pour me lever, me quitter tout ça me gagner pour moi partir. Mais l'Éternel parle avec Abraham, faut comprendre que la foi d'Abraham va vite tout. Abraham pas entendre ça, c'est pour la première fois l'attendre bon Dieu, la tonne voix qu'a parlé avec, il pas ouais mon nom et puis intensité de pas ça, il reflétait aussi un mot clé que passer cette chose dit là qui c'est va. Et c'est un verbe comprendre, va c'est un verbe d'action mais c'est un impératif tout. Qui paraît sept fois dans le contexte pour Abraham parti ça. Abraham, il peut être Abraham, parce que mon Dieu, Dieu son côté, il peut changer non. Abraham devait quitter le pays, lui. Ça veut dire les U en Chaldé, ça veut dire Babylone. Ah, l'histoire Babylone divinée, on te voit Babel, on a noué Babylone. Ça veut dire que depuis longtemps, mon Dieu a demandé au peuple pour quitter Babylone. Appel pour sortir de Babylone, ça, il y a une longue histoire dans la bagaille prophétique, biblique, vraiment. Départ, Abraham, il concernait non seulement famille, mais Abraham de l'héritage, héritage par lui. Il y a une bonne partie de ça, il y a apprendre, l'éducation de gagner. De ça que tu fais comme bien, héréditaire, fréquentation, juste abandonner everything. Et ça qui plus dit encore dans le départ là, parce que appelle ça, il te bon bagaille qui te bon, alors tu dois aller plus loin encore, mot hébreu, parce que je dis, hein, lek et leka qui va, il traduit, signifie va toi-même. Donc, Abraham parle de non seulement quitter pays, quitter parents, quitter zone, éducation. Abraham de point pour quitter une partie de lui-même. Ça veut dire, pasteur Étienne, lorsque vous avez une position, vous avez une relation, vous avez une zone, vous avez un pays, vous avez une savoir faire dans la vie, bon Dieu, pas qu'à venir, bon Dieu, demandez pour nous quitter. Bénédiction, pas qu'à bon Dieu, pas qu'à venir, jouer nous pour des liens. Vous obligez à abandonner même partie dans vous-même. Ah, en pile, nous devons comprendre ça. Même dans nous-mêmes, nous avons pour nous abandonner. De comportement, de façon de vivre, de caractère, que nous venons de maman, nous n'avons pas papa, nous voulons nous grandir dans le vivant, pour bon Dieu capable vraiment bénir. Objectif de par ça, je me remets dans le pays, bon Dieu promet à Abraham un bon pays. Et pays Salmali dit, la ballon pays, eh bien, il répète ça même dans le sacrifice d'Isaac, c'est Canaan que le tabali pour aller là où Isaac va le sacrifier dans mon Morija. Et c'est dans le parti pays ça, il va construire ça, nous voulons le temple Jérusalem, non? Pas bien Babel, pas bien Babylone, et bon Dieu va le construire Jérusalem, pas vrai, dans Morija, dans le sacrifice ça. Donc, promesse mondiale pas limitée seulement à une promesse physique, Abraham a venu dans Canaan, mais aussi les bons prophéties la donne. Non seulement c'est Canaan terrestre, mais les bons bon prophéties la donne Canaan céleste avec la mort de Jésus qui a sorti dans la lignée d'Abraham. Donc le départ d'Abraham, ça que nous allons apprendre dans lui-même, eh bien c'est on va essayer tout descendant la terre, tout le monde la terre, moi-même avoir qu'une qui chrétien, c'est grâce à Abraham. Donc le départ, moi-même avoir, il y a des positions, il y a des places. Il y a des relations, il y a des côtés que nous y est, bon Dieu, pas capable de bénir nous. Il faut nous sortir là, il y a des caractères, des tempéraments, il faut nous retirer pour bon Dieu, capable de bénir nous. Le départ d'Abraham. Well done. Bien, le départ d'Abraham, là, c'est un départ de acte de foi. Yes. Il demande que, quel que soit Jean Sadavaï, c'est vrai que l'Éternel dit, c'est même mot, hein, que Jésus, non sens tout, va, go, just, obéis. Et obéissance Abraham prouvait résultat bien fait que les juifs de la part de ce que nous avons actuellement là. Yes, et c'est
C'est triste, on va connaître qui sont capables de dire non dans le même contexte là, la tentation de l'Égypte. La tentation de l'Égypte. Moi saluer nous, moi et moi saluer toutes amis et auditeurs nous yo k'ap gagné pour tendre le son ça. La tentation de l'Égypte, lorsque nous lisons Genèse 12 verset 10 à 20 que nous a demandé zanmi nou yo pou yo kapab li tek sa pou nou, nou wè ke se etonan pwase ke Abraham rive nan peyi ke l'Eternel li te promet li a Canaan, e nou wè ke Abraham ki pral chwazi kite Canaan pou li ale an Egypt pwase ke te gen yon gran gwo. Anon li teks lan, n'a pli seulement verset 10 lan. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. C'est étonnant. Abraham qui quittait Caldé avec tout bien li et tout confort que li te gagné pour lui obéir à l'Éternel qui mandait lui pour lui aller à Canaan, maintenant arrivé à Canaan et lui pral quitter Canaan pour lui aller en Égypte à cause de yon famine, à cause de yon grand goût. Et nous voit que Égypte ça c'était une tentation pour l'autre pays. Comment? Li te toujours gen manje la donne. Affaire yo te toujours a bien marché. Nous même moi côté yo décrit ça dans un texte que yo écrit qui porte nom Mériker. Mériker là c'était nom ancien roi pharaon. OK? Côté yo composé texte là, yo montré comment moun Canaan yo c'était des misérables que yo teye. Ou ki yo pat gen assez d'l'eau et yo pat yo te toujours à déplacer parce que chaque fois gen grand goût yo quitter pour y aller de manger l'autre côté. Donc c'est comme ça de décrire. Mais c'est comme si alors Égypte vin semblait ta un pays qui pi béni passé pays ça que l'Éternel te promet Abraham nan côté li te promet que Abraham lui-même li ta bien côté c'est l'Éternel qui mène Abraham là. Mais kounye la même c'est comme si à toi Égypte ça t'a semblé que li pi en forme que pays ça pi bon que pays ça que bon Dieu te offre te bail Canaan. Et ça pral fait que moun sa tellement fait tête yo confiance c'est yo même yo pas besoin la foi yo pas besoin bon Dieu parce que yo pas besoin rien. Et nous voit que ça arrive tout dans la vie pratique. Gende là fait moun a bien marché ou kontande y a ironiser moun k'ap la prier. Ça bon Dieu la régler pour vous. Moi même pas gen problème. Ouais, c'est moun ki gen problème ki cherche bon Dieu. C'est comme ça. Yo vle faut comprendre. Et nous songe que pas trop longtemps nous t'ai même moi ça dans une vigile matinale côté un pasteur t'a voyagé il rive dans airport il perdu valise li et puis tout il dit madame ni pas inquiété ou en nous prier bon Dieu a fait nous joindre valise là et puis on l'autre fois même événement reproduit pour même coupe pastorale ça et puis mes pasteurs qui pourra dire madame ni ne t'inquiète pas parce que valise là il est assuré maintenant foi qui te gagne avant dans bon Dieu hein, puisque qu'on est la même valise là assuré li gagne moyen pour les rejoindre ni assurance à promettre li perdu foi ça que il te gagne et bien c'est ça qui te censé présenter là Abraham qui était tenté par l'abondance qui était gagnée en Égypte, il quittait Canaan, excusez-moi, pour lui aller en Égypte, pour aller manger. Et ça pourrait le passer.
nous voyons que Abraham, homme de foi, qui te quitté hurlant pour y aller à Canaan, maintenant, c'est Abraham ça qui a quitté la terre promise. Ouais, de son propre gré. Avant, c'était bon Dieu qui te fait appel à lui-même. OK? Et lui-même, il était obéi par la foi. Et maintenant, il va quitter Canaan de son propre gré, OK, pour lui aller en Égypte. Et là, il arrive en Égypte, ça va passer. Nous connaissons l'histoire là. Il va, comment nous sommes capables de dire ça? Abraham va même avoir un moment de noirceur dans la vie spirituelle. Parce que l'Ibral peut avouer, nous songez l'histoire là, l'Ibral peut avouer que Sarah, c'est madame ni, pour que l'Ibral soit capable de bien protéger, pour que l'Ibral soit capable de bien garder, pour qu'il soit capable de bénéficier d'une série d'avantages. Donc, nous voyons que comment un homme de Dieu, un grand homme, qui au côté la Bible parlait en pile de lui-même, qui est capable de faire erreur. OK? Mais nous voyons que malgré erreur que lui a fait, hein, bon Dieu, pas t'abandonner. Parce que nous voyons l'histoire, nous voyons ce qui s'est passé. Donc, bon Dieu, pas t'abandonner. Et nous voyons que bon Dieu, alors, comment on est capable de dire ça même? Nous toutes, c'est une question de fou, c'est une question de grâce. Nous toutes n'a bénéficié de la grâce. Nous que pas gen yon monsieur Sayo qui était un monde qui était parfait. C'était des pécheurs comme nous. Des personnes qui ont commis des erreurs comme nous. Mais le Seigneur lui fait yo grâce. Même Jean tout, bon Dieu lui-même l'a fait nous lui fait nous grâce tout. Donc moi que si c'est pas grâce que le Seigneur lui t'a fait à Abraham, même j'ai avec nous toutes, pas d'abgain qu'un espoir pour Abraham. Donc, c'est en nous, par la foi, en nous bénéficier de la grâce de Dieu. En nous prend grâce à que le Seigneur les bénisse. Parce que nous toutes, c'est de ça que nous bénéficions. Donc, nous pas qu'à minimiser nous parfois, nous qu'on a pas valorisé, par exemple, nous a prié, nous a dit ça que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, mais également ces hommes-là, c'est vrai, c'est des hommes de foi, mais ils ont même tous, c'est de la même grâce de, que nous-mêmes, ils ont bénéficié. Bien, ça veut dire ça, force et courage. Quel que soit ça que nous ouais côté que nous tomber erreur que nous fait nous besoin pour nous rassurer nous que si que nous prend conscience nous connaît que nous dépend de Dieu faible nous tomber quel que soit côté nous tomber en bon Dieu qu'a levé nous et quel que soit erreur que nous fait ça va empêcher que bon Dieu servir avec nous utiliser nous pour gloire et pour bien-être petite Lio si que nous prenons conscience. Yes. Même là ça tout avance Alain questionné ou la partie mardi a you know by comme dame ajouter c'est que contextuellement dans ton avis là bon Dieu m'a demandé nous quitter monde là qui ce jeudi a monde là son type d'Égypte mais nous plus laisser nous tenter pas ça le monde a offrir nous jeudi a qui fait que et bah que nous entrons dans l'église nous plus envie servir le monde que l'église et de là les sommes de nous clair que mais ça qu'arrive nous qui danger gain la donne lorsque bon Dieu retire nous dans Égypte monde ça les met dans monde spirituel il y a pour que nous pas des regards fixés vers monde ça parce que nous pas quitter monde là pour perdu mais nous quitter pour nous sauver de se faire dans le sens à mal comprendre que monde là toujours tenter nous chaque jour. Chaque jour, pas qu'un monde même passe. Les anciens, tout tenté de sa monde la produit à nous-mêmes. Directé à nous-mêmes, pour nous être par la foi ancré en Jésus et de là étant, pour nous capables de retrouver ça qui est nécessaire à nous-mêmes. C'est ça que je pense que je vais ajouter avant tu aller une question de pasteur Étienne, le bâtiment. Juste avant ça, Alain, mais appeler aux Étienne, la tentation de l'Égypte. Et nous, aspect positif là, Dani. Parce que c'est font passer sur une qui est dans mais amplifié que nous même qu'à vivre aujourd'hui c'est lorsque nous on tombé
Lorsqu'un chrétien pas un chrétien du diable demain. Moi-même qui ai 42 adventistes pasteurs, j'ai presque 41 ans pasteur. Nous pas qu'un monde qui fait baptiser, moi-même baptisé hier pour nous connaître mon nom, à même j'ai avec moi ma pasteur Étienne. Donc nous avons besoin de moment pour lui tomber, lever, grandir, grandir jusqu'à ce qu'il arrive dans le niveau Abraham, nous allons dans toute leçon et comme ça tomber lever jusqu'à ce qu'il arrive et qu'on va prendre petit prix là sacrifier, lui même le père de la foi. Donc c'est pour nous bâtir le temps pour grandir, pour nous prier pour nous, pour nous avoir pour nous grandir. Yes. Abraham et l'eau, n'a pas demandé pasteur Étienne pour les capables parler nous de ces deux messieurs. Bien. Yes, c'est deuxième part, troisième partie, hein. Partie mardi, hein? Abraham et l'eau. On va bien que non Abraham vient de changer juste après. Dans tout départ, c'était Abraham. Maintenant, nous capables ouais selon Genèse chapitre 13 à 18. N'a pas encouragé les amis auditeurs nous pour que capable lire passage ça et au capable comprendre exactement ça cap passé dans la vie d'Abraham. Jean que nous ouais, Jean que sœur Tristan te so dit nous Abraham nan pays Canaran, terre promise dans que bon Dieu te mette là-dedans, te offri li. Et mais l'aime se rivé bagayo paraît mal. Donc nous voyons que l'ité nan te gen famine nan pays hein et monsieur allé en Égypte. Maintenant lorsque monsieur allé en Égypte malheureusement puisque c'est un humain donc naturellement monsieur faible nous voyons que mensonge monsieur fait avait dit que depuis on monde brisé commandement bon Dieu ou éloyau de Dieu pas grand rien à sortir de là pas gain passé sous côté pas gain justification possible ou éloyau de Dieu et même lorsqu'on est loyal de bon Dieu pas abandonné, mais au besoin pour que vous jouir les bénédictions de Dieu, pour jouir bienfait, bon Dieu, provision, bon Dieu, au besoin pour repentir. Et c'est exactement c'est ça que Abraham fait. Abraham n'arrête pas demeurer dans le mensonge. Il commet mensonge pendant à plusieurs reprises, mais il reprend ni après. Donc c'est ça que nous voyons ici comme lit. Dans Genèse 13, m'appli pour verset 1 à 3 seulement, mais n'a pas des amis auditeurs pour que vous capable li passage. Non. Donc, malgré erreur, Abraham, bon Dieu bénil, il est dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'eau avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Cela veut dire malgré erreur Abraham, bon Dieu continuait bénir. Et on capable voir que raison qui fait que bon Dieu bénit, c'est parce que Abraham l'y repentit. Repenti de qui ça? Repenti de qui ça? De erreur liyo. De faute liyo. Mensonge que le fait. L'ité en un mot, en nous dit. L'ité perdu la foi. En nous mettez le comme ça. Parce que lorsque liyoué famine a valé terrain en Égypte, donc sans l'autre bon Dieu, monsieur parti, là en Égypte. Et bon Dieu, c'est nan Canaran metel. Peut-être bon Dieu te gagon l'autre façon pour que l'te capable de prendre soin nan Canaran. Mais nous voyons que par faiblesse, li laisse Canaran li entre en Égypte. Donc, li fait menti là pour que l'te sauve la ville, pour pas tuer pour madame. Nan. Et nous voyons que, yo di nou, Abraham s'est repenti. Li retourne en lui-même. Ça veut dire, même fois que l'te gagné, les bon Dieu te mandé pour te quitter pays natal pour te aller Canaran. Donc li même fois ça vinn reprend force. Li repenti, li retourné en lui-même. Donc nous voyons que bon Dieu continuer à bénir li. Rétablissement lien Abraham avec bon Dieu, eh ben li continue à grandir et c'est grâce à lien bonne relation que il gagne avec bon Dieu. Qui fait que Abraham toujours aimait faire bien. Pas oublier que Abraham, il toujours fait bien. Et Abraham, son monde qui était posé.
li pa jam fè gen problème à moun. La Bible dit nous que li te yon moun ki très riche en troupeau et aussi nous gagnons l'eau neveu li que le te parti avec puisque l'eau établit le tout nan paysan de l'eau li vin gen en pile richesse tout en pile li gen servante en quoi Abraham yo gen pile bête en pile yo fait élevage donc yo tous les deux vin riche et d'après ça que l'histoire nous connait l'histoire c'est qu'on lit tout chapitre non mais dans vin gen discussion qui pétait entre les serviteurs de l'eau et les serviteurs d'Abraham. Il y a pégoumé à discuter, maintenant Abraham était un pacifique. Il était un homme qui cherchait toujours la paix. Et nous voyons que côté Abraham, donc il était mandé par un acte de foi que le fait. Il pas choisi un côté pour l'aller juste pour le quitter l'eau, li juste dit l'eau, pas besoin d'un problème avec vous, n'en parler en pile avec vous, pays en large, pays en riche, donc ou capable de choisir côté où voulez aller, même et puis n'a pas gagné la paix. Donc nous voyons que c'est ça que Abraham te fait dans difficulté, dans problème qui existait entre les bergers de l'eau et bergers palio. Par opposition, déplacement Abraham. C'était un acte de foi. Abraham n'a pas choisi pays. Et l'autre a choisi côté pour l'aller. L'autre a ouais, que côté l'aller dans zone Sodome, Goma, c'était un terre qui était fertile. Il y a un terre côté que il est capable riche là, qui a fait pile bagay, et il a choisi pour l'aller là. Et Abraham a choisi pour qu'il soit capable de rester. C'est seulement, nous capable de dire, lorsque Abraham est séparé de l'eau, que bon Dieu vient parler encore. Abraham, selon le verset 14, Genèse chapitre 13, 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15, car tout le pays que tu vois, je la donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours, l'on finit li restant, ou va ouè ki Jean bon Dieu béni Abraham. Et ou connaît qui sacrifie l'eau. Lorsque l'eau allait dans la zone qu'il te pensé qui fait-il, non? Eh bien, ouè ki catastrophe qui passait dans vie, dans Sodome et Gomorre. Donc, bon Dieu invite Abraham pour que le parcourir pays que bon Dieu montre li met devant, non? Parcourir le pays en long et en large. Et bon Dieu a balil, selon le verset 17. Le Seigneur lui dit clairement que c'est lui-même qui a bâillé Abraham tout côté que le balio. Et c'est un don, le don de la grâce, que Abraham, donc, foi vient augmenter, lui vient appeler le père de la foi. Ça conduit tout à l'obéissance complète à Dieu. Et c'est l'œuvre, bon Dieu, qui entraînait Abraham à venir le père de la foi. A fait tout ça que Abraham fait, ça que le réaliser et que toute nation bénit à partir d'Abraham. Maintenant, qui leçon que nous capables de tirer? En pile leçon que nous capables de tirer là. Abraham et l'eau. Ça veut dire, lorsque ou gain ouais que gain discussion, gain problème qui existait, mande bon Dieu direction, quitte bon Dieu diriger ou. Pas courir, agir. Pour que ouais tête ou pour que ouais ça ou ta remen fait quitte bon Dieu dirige ou et ou capable ouais nan histoire nan entre l'eau avec Abraham donc l'eau visée côté que li ouais qui belle devant Dieu qui bon qui fructueux et pourtant c'est une catastrophe donc Abraham li dit l'eau eh ben ou même d'ailleurs, Abraham pas gen raison pour le demander l'eau pour le choisir. C'est lui-même qui grand monde. OK, c'est lui qui parti avec l'eau. OK, et bon Dieu que voyez lui, c'est lui qui te recevoir message là. Mais bon Dieu à cause de foi lui, à cause de obéissance lui, à cause de caractère lui, li juste dit l'eau choisi côté ou aller pour que nous gagne la paix. Et bon Dieu reparler, lui parler à nouveau Abraham, il dit que ou pas besoin d'être un problème
mais tout pays en devant ou, donc m'a bot tout pays en pour héritage et m'a béni ou. Cela veut dire, zanmim, frèm avec sœur mwen, zanmi auditeur k'ap tande nou. An nou, lè nou non problème, pas al discuter, venger, prend force nan, peut-être pas nou, pour que vous pensez que c'est vous-même qui grand monde, c'est vous leader, c'est vous pasteur, c'est vous qui X, qui Y, pour que vous allez par force, pour chercher un bagage qui est meilleur, quitter bon Dieu prend contrôle. Et les bon Dieu prend contrôle, décision qu'on prend, c'est va la meilleure, et que vous va bénir dans la décision qu'on prend. Alors, ça, la leçon, ça, c'est une belle leçon, c'est une belle partie parce que. Bon Dieu dit à Abraham, gardez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout côté zio kabao. Ça passe l'eau. L'eau quitte territoire, bon Dieu, bah, bénédiction. L'eau allait en dehors des territoires. Et depuis nous quitter, côté bon Dieu placé, nous, ou en danger. Yep. Il faut nous parler avec yeux, nous, belle bagaille, bon prendre belle partie, belle. Non! Fallait ça même si nous grands nèg nous millionnaires pas bien nous c'est chrétien. Rete chrétien, rete dans limite bon Dieu ba nous. Bon Dieu veut nous tout bien. Bon Dieu veut bénir nous tout, mais pour nous rete dans les limites de l'église. Yes. Pasteur Dimi, on parlait dans mercredi la coalition de Babel. Sont capable de la coalition de Babel. Dans le sens ça gagne environ près de environ quatre questions qui mentionnaient qui fait pilule qui est le son. Et vous pas parler de Abraham, vous pas parler de la foi d'Abraham, l'obéissance et en personne que lui en réalité. Et c'est ça qui fait que la question que vous demandez nous, qui élabore le son, de qui et qui ça qui est important, ce que nous avons, non, guerre qui est arrivée juste avant de faire pour nous atteindre, et qui enseignement que nous avons trouvé sur Abraham. Ça qu'on nous dit que au papa d'Abraham par la fidélité, l'obéissance, la foi li. Et de là étant qui j'ai influence action par nous tout capable faire à l'autre monde cap garder nous et qui j'ai deux messages que foi nous pour ébattre l'autre monde qui constitue un intermédiaire avec l'homme. Nous yo parler nous pas ça gien une guerre qui était éclatée et entre deux plusieurs pays, yo non l'autre bord là-bas non l'autre côté. Mais il était fait des parties mais juste avant on se dit toujours recommandé, il y a un long texte pour nous lire Genèse 14 et la 17. Mais à cause du temps, et non encouragé, ou même appelé simplement verset 14. C'est ça moi-même senti qui cannot lead me to what I think lesson, led me to la coalition de Babel. Dès là, ou bien dès Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Il amena 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. De là étant, coalisation, les bons mots qui mauvais, pour ça tout, de façon utilisée, le capable de mauvais. Mais dans sens ça, non sens figuré, si ça veut dire, c'est union, ça veut dire. Nous venons comprendre quand dans le sens ça, que guerre ça, il était ton tête chargé. Mais au moment dans guerre ça tout, Abraham toujours rôle, il était neutre. Et le son explique nous pour qui ça Abraham était obligé de écriture par Mésopotamie et avec cinq rois de Canaanien et rois de Sodome. Ils ont impliqué ensemble juste pour capable faire une bataille, raison que ça allait et de faire une opération militaire que Canaan était rebelle contre ou même disons. Mais les cas plus involve qui sont de taxes. Qui involve dans bagala. Mais ça que nous apprenons dans la leçon, c'est que nous montrons que c'est même Jean-Louis qui a fait jeudi à tous de nos jours en leçon mentionnée. Nous voyons que comment que bon Dieu lui-même était baillé la terre pour nous avec Abraham et Abraham qui était le levé de trajet à trajet, mais ça va avoir Abraham un événement qui portait un porté spirituel en dans aspect ça. Et l'implication ça que le peuple là dans Canaan, c'est montrer que différents conflits ça a était montré sur un pays. Mais quand et quand Abraham non son groupe réel qui était concerné parce que véritablement qui était propriété pays acte mettre il était tout droit pour défendre mais au fait qu'on que Abraham non guerre ça tient vol là il devait ne mêle d'objet vienne pour action parce que elle apprendre que surtout que ne venir l'eau prisonnier
De là étant, lorsque l'eau vient prisonnier et l'eau regarde dans le son, hein, Abraham son d'un qui était riche, tellement t'es gain bien, parce qu'on est qui a réuni 318 garçons, on est qui était riche en pile, tu dis, pour l'amener pour défendre le territoire Bali, le son fait comme ça. De là étant, on va venir comprendre Abraham lui-même, lui marchait par la foi, non seulement marchait par la foi, mais on est qui était prudent tout dans la salle d'appel. Abraham t'a quitté lui-même pour garder personnel, juste pour le capable d'entrer. Nous, on le son tout, que, disons que Abraham pas engager le nom armé de sagesse stratégie politique. Royaume Abraham, non, c'était un don de Dieu. Il veut que stratégie Abraham, c'était Dieu lui-même. C'est ça que le dit pour Abraham. Et Abraham t'est compté sur raison qui fait que bon Dieu t'intervient par rapport à lui-même que le devine gagner. Bataille de façon très claire, j'en devais là sans, en pile sans pas couler. Mon plusieurs moun sa ou pas mourir. Abraham allait en suivre quatre kings. Quatre rois non longue distance du jusqu'à nord. Il faut nous comprendre que l'histoire a dit tout que City dans n'est pas très loin de nord bord d'Israël. Cela étant pour nous dire que comment Abraham lui-même lui cherchait arriver et jusqu'à arriver, lui font façon stratégique l'entrée, lui prend l'eau sans difficulté et puis il sortit avec son bataille que l'arrivée réussit. De là étant nous voir que non seulement Abraham a fait toute résolution ça pour être capable de sauver l'eau. Et frère, et nous devons nous compter tout, et nous devons toujours à la recherche de la prière de Dieu, parce que si bon Dieu pat, y a une source de stratégie pour Abraham, y a une source de force pour lui que le croit en Dieu, il n'y a pas assez de capacité pour dériver pour utiliser une stratégie spirituelle, ça, pour acquérir ou bien gagner l'eau et battre la terre arrivée pour le bien-être d'Abraham. Nous devons que lorsque nous même tout, influence que nous gagnons nous il influence sur l'autre monde qui regarde nous parce que quand il y a un bagage qui vient nous ta réagir de façon différente mais du fait que nous confions nous sur Dieu nous vient permettre que influence monde qui regarde nous gens nous gérer situation et ouais que nous confier sur Jésus et c'est les mêmes qui ca ba nous accès nous sortir et de là nous vient ouais que non seulement dans toute coalition Abraham pas attaquer il faut marre très clair il était simplement opération commando nous tout compte ça veut dire non sens pendant nous là l'entrée il fait ça pour le prendre et puis le sortir. Invite toi monde sans couler. Bref, c'est pour nous dire en même tout ça, tout. Influence région, hein, et ça que tu as fait là, il te montre nous davantage comment bon Dieu t'a servi pour Abraham, un point de départ, un point d'arrivée, un point de sortie, avec victoire que le sorti. Et nous sommes capables de voir dans la leçon ça, comment que Jean-Abraham t'a compté sur Dieu, malgré les sons de Dieu auparavant, il tombe et le retourne. Il vient de joindre, bon, c'est ça là, c'est là, bas là. Puis bon, lorsqu'on tombe au lever, il paraît à tel, il vient de joindre, bon, il vient de faire son homme de foi, je dis, que nous-mêmes apprendre de lui, il montre nos caractéristiques Abraham, il voit que nous-mêmes, si nous suivons ça, ça la Bible dit, tout ça qui fait pour le son nous-mêmes, nous allons voir certainement que le message Abraham, non, la foi nous dans Dieu, nous allons permettre de vivre un rôle d'intermédiaire avec l'autre monde qui a gardé une action aussi tout parce que la foi fait nos produits de bagaille qui juste et de là étant ses œuvres, nous allons faire qu'on est qui est bon Dieu. Et Abraham nous dit clairement que, et ça quand pile mon Dieu te paye Abraham parce que Abraham te gagne Dieu bon côté et la victoire te avec lui parce que Dieu, c'est lui même qui est stratégie lui, c'est lui qui conseille de militaire une façon pour arriver. Gain victoire tout clair. La même coalition de Babel ça et parce les gens qui ça ça veut dire pour nous parler dîme de Ben Sichebe. Quelle importance ça y est pour nous aujourd'hui et qui pour qui ça obligé parler de lui si me fait un caractère qui sont ça. Yes, alors histoire pour la histoire et mercredi a continué dans jeudi. C'est immédiatement que et Abraham pour la victoire et moi j'ai expliqué là il fait un commando par grand prix sans couler il prend ça là il prend sortir avec eux et il délivre et neveli délivre quel monde dans Sodome avec dans Gomorrhe et il retourne dans Canaan avec Mounio. Maintenant moi ça non ça personnage ça toujours paraître et toujours une discussion sur lui la dîme de Melchisédek qui est Melchisédek qui est pour qui ça Abraham lui-même dit bal dîme donc mystérieusement Melchisédek paraît dans l'histoire ça. Côté Abraham, al délivré peuple ça. Donc, regardez le contexte là, il est bien placé. Wa Canaan, lorsque Abraham a tourné avec nous, Wa Canaan, qui était perdu, il est content, il remercie Abraham de ce qu'il a délivré le monde dans le pays. Yo. Donc, Wa Canaan très content. À son tour, qui ça Abraham fait? Melchisédek, l'Oli, vraiment dans Genèse 14, verset 18 à 24, Melchisédek, c'est roi de Salem. Qui apportait du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il fit béni, il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme et tout. Si nous regardons je mots aller-retour entre Abraham avec Melchisedec, nous comprenons qu'il soit là bien. Melchisedec, il était roi de Salem. Salem signifie paix. Alors que dans le contexte là, eh bien, Canaan est en guerre. Eh bien, Melchisedec, les Abraham finissent pour la paix. Pas vrai, finissent pour Mounio Bayo. Eh bien, Melchisedec fait apparition. Mais ça l'a bien adapté avec guerre là. Lorsqu'on prend Nosa et Sedec, qui signifie justice, et Melchisedec lui-même, dit c'est le roi de Sodome, qui c'est la paix, pas vrai? L'on prend roi de Sodome, qui Béra, qui c'est le mal et Gomorre, qui Bicha, qui signifie méchanceté. Donc, deux rois, ça, ils étaient dans méchanceté, dans malhonnête, dans tout ça qui pas bon, et bien, ils étaient violence, et bien, ils étaient mal représentés. Roi Canaan, et Melchisedec, il y a pas pour porter la paix. Contexte ça, l'histoire est très bien tracée pour nous. Passage ça également, il présente nous, yon l'autre côté, dans le mot prêtre, qu'il dit Melchisedec, c'est prêtre. Lorsque dans verset 18, il dit Melchisedec, c'est prêtre, car il bénit Abraham. Pas vrai? Lorsqu'on dit prêtre, eh bien, où elle fait allusion avec le Dieu très haut. Et Abraham, relé, Melchisedec, prêtre tout. Qui fait allusion à Abraham reconnaître Melchisedec, c'est un sacrificateur de l'Éternel. Qui ça Abraham fait? Eh bien, Abraham identifié, pas vrai? Melchisedec, en pile monde identifié là avec Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, c'est un prêtre, un pasteur pour le moment capable de dire, un sacrificateur. Et nous capables de voir ça fait bien, parce que sorti avec l'eau et avec du vin, avec pain, l'hypothèse par monsieur ou manger. C'est roi ou pasteur, c'est roi ou sacrificateur. Nous, le thème 7-7 va être là dans tout, là, tout. Nous, capable. Donc, il était offri au pain avec association qui d'avoir le jus de raisin qui était fermé, qui était vraiment pressé pour te par monsieur Sayo. Conteste la parole, Abraham remet 10 000 à Melchisedec. Vous remarquez bien, et c'est un passage, c'est une fois nous entrer dans la partie ça bien parce que est-ce qu'Abraham de travail? Il y a plus mon l'église d'où yo bay dim nan kòb yo travay. Remarquez bien Abraham remet li la dim de tout. Il y a moun ki di yo bay dim, c'est leur fin paye kayo, yo paye machine yo, yo retire kòb gaz yo te pouri a et yo paye électricité yo, après ça kounya ti sakèt nan men yo, yo bay dim. Non. Mais Abraham bay la dim de tout. Ça veut dire Abraham comprend que lui-même, il s'est un don de Dieu. Bataille, pasteur Dimitri expliqué, c'était la grâce de Dieu. Tout ça que la terre, le ciel, le firmament, tout appartient à l'Éternel. Donc, lorsque la baie dîme, il baie dîme de tout. De tout. Tout bagage, c'est pour l'Éternel. Donc, lorsque Abraham a baie dîme, il baie dîme parce que tout ça, mon Dieu, baie dîme. Li ba bon yon ti bagay la dan, yon dim nan ki son dizyem, li ba yon ti bagay, se pa paske yon pa pou Abraham, sa nou gen yon pa pou nou. Mezon ke nou gen, kay nou gen, rat nou gen, madame nou gen, petit nou gen, kom nou gen yon, se grâce à l'Éternel que nou gen yon. Donc si nou pa bon yon dizyem nan sa nou gen, nou yon 90, pa gen problème. Abraham bay la dim de tout. Merci de dek, c'était vraiment yon sacrificateur, c'était yon prêtre, qui te fait action prête pour te blouer avec jus après ma mission qui sorti dans la guerre là. Et Abraham, il bénit Abraham. Donc, c'est Dieu le pasteur, c'est Dieu le prêtre. Et en retour, Abraham remet le dîme de tout ça que j'ai gagné. Bien. Et nous croyons que c'est une belle leçon. Donc, mes chers amis auditeurs et auditrices, pour t'attendez la vérité présente, qui t'a présenté à vous-même la sixième leçon de l'école du sabbat qui gagne pour titre les racines d'Abraham. Donc, nous avons ces belles leçons côté que nous avons la vie d'Abraham, côté que dans la première partie, nous avons parlé du départ d'Abraham, côté que Abraham a reçu l'appel de mon Dieu pour qu'il soit capable de laisser pays natal. Et nous avons côté que le patron, côté que le tabralé, et mon Dieu a mené dans le pays de Canaan, la terre promise. Et arrivé là, nous sommes dans la deuxième partie. Eh bien, c'était yon bagay qui yon ironique, si vous voulez, parce que son bagay que nous pas qu'à comprendre.
puisque bon Dieu mandel pour te quitter pays natal pour y aller en Canaran et là arrivé là famine déclenchée. Il pas yo pas ka manger, yo pas ka vivre et Abraham t'est obligé laisser pays Canaran sans et l'autre bon Dieu donc pour que il t'est capable rentrer en Égypte. Et arrivé en Égypte, nous ouais ça qui t'est passé, côté que monsieur t'est censé perdre la foi, monsieur t'est abandonné bon Dieu, côté que il fait mensonge parce que tout péché c'est péché, mes chers amis. Le fait que c'est un menti cobaye pas penser que bon Dieu a toléré le nan men. Donc la Bible dit yon nan commandement yo li clair que ou pa dwe faire mensonge. Donc Abraham fait mensonge, li violer la loi de Dieu. Donc nous wè côté que quoi que li tombé, li péché contre la loi de Dieu, mais bon Dieu pas abandonné. Par raison c'est parce que nous wè monsieur devin prend conscience, li repenti, li wè que le pas dwe di ça le di en fait mensonge que le fait. Et nous ouais bon Dieu béni li bon Dieu mandé pour que le capable regarder vers le nord vers le midi vers l'est vers l'ouest tout ça que le ouais bon Dieu bali yo et nous ouais que Abraham était très riche il était possédé en pile bien maintenant ça débouche nous dans parti mardi côté que nous ouais un conflit qui devine gagner entre les serviteurs ou les bergers de l'eau et les bergers d'Abraham. Côté que nous voyons Abraham depuis longtemps, c'était un pacifique, c'est un homme de paix. Monsieur toujours à chercher la paix, un homme très tranquille. Et nous voyons que lorsque discussion pétait, façon que il agit, il demandait à l'eau, il dit pays en grand, pas obligé qu'un problème entre serviteurs paoyo à pamio. Donc, vous mettez à l'écoute, vous voulez choisir côté que vous voulez aller. Et puis moi-même m'apprêter. Donc nous ouais côté que l'eau t'est visé en terre qui était fertile, qui était belle, qui était vert, c'est la plaine de Sodome et Gomorrhe. Cependant nous ouais que l'eau par contre ça t'a passé, ça pral passé. Donc c'est ça que nous pas ca vision, nous pas vision bon Dieu. Les nous on bagaille bon devant Dieu nous, eh ben son bagaille qui mauvais. Nous besoin pour nous toujours quitter bon Dieu prend contrôle la vie nous. Qui était bon Dieu contrôler nous. Et c'est ça qui arrivé. Donc, nous, lorsque l'eau partit, après quelques temps, nous, destruction et pleine côté que l'eau était allée. Et nous, bon Dieu continuer béni Abraham côté que l'irrité. Nous venons tomber dans la coalition de Babel, côté que vingé guerre, côté que yo prend l'eau, yo kembe l'eau en prison et comme prisonnier de guerre. Et nous, lorsque Abraham connaît ça, Abraham, un homme très pacifique, maintenant, monsieur sauté, puisque monsieur est grand pile cob, j'ai utilisé des stratégies, il utilisait un pile moyen côté que l'y aller, sans pas gagner un pile sang qui coulait, sans pas gagner un pile bataille qui fait, l'y prend l'eau, l'y délivre l'eau à tout l'autre monde dans Canaran qui était en otage. Maintenant, nous voyons que ça, ben nous, y a une belle leçon, côté que nous voyons lorsque un monde, c'est un pacifique monde, eh bien, moun sa li capable utiliser en pile technique pour li empêcher sans couler et remporter la victoire, atteindre objectif que li gagne. Et c'est ça que exactement Abraham te fait. Maintenant, nous tombons après que Abraham fin délivré l'eau et l'autre moun nan pays Canaran qui était en otage, qui était pris en otage comme prisonnier de guerre. Nous, lorsque Abraham retournait, nous voyons côté que Melchisedec, le roi de Salem, qui était un prêtre aussi, un sacrificateur, un pasteur. Côté que il était arrivé pour tes consolations, pour tes réconforts, li pour tes manger, pour tes de l'eau, by Mounio qui sorti bien loin. Et nous ouais à cause de ça, donc nous ouais Abraham li reconnaître en Melchisedec, un homme de Dieu, un prêtre, un serviteur, un sacrificateur. Et nous ouais que côté Abraham, il était offri tout zimni à Melchisedec. Donc, lorsque bon Dieu fait pile merveille pour nous, bon Dieu fait nous grâce, bon Dieu délivre nous, faut nous reconnaître bien fait bon Dieu envers nous. C'est pour nous reconnaître tout ça que nous possédons, tout ça que nous gagnons, capacité pour que nous travaillons. Eh bien, c'est bon Dieu qui bon nous, c'est bon Dieu qui bon nous force. Donc, nous besoin pour que nous capables de montrer fidélité nous envers bon Dieu comme Abraham.
pour que nous payions à dîme de tout revenu. Non? Donc, nous voyons que je dis, j'en que pasteur Wilfried te dit, on pas qu'il y a monde juste la guerre en bagaille. Si vous finissez payer tout ça que vous avez pour vous finissez payer, si ça crée un, vous la bon bagay. C'est pas la dîme. Ça, c'est pas la dîme. La dîme, c'est la dixième partie de tout votre revenu. Ça veut dire, lorsque un chrétien, lorsque vous observez mon Dieu tout bon, vous obéissez envers mon Dieu, premier bagay qu'on doit faire, lorsque vous touchez, c'est retirer dixième partie. Tout plan qu'on gagne pour faire. Tout bill pour payer, yo supposé payer à partir de 90%. C'est pas lorsqu'on fin payer tout ça qu'on gain pour régler et puis reste qui retient si gagnant et vous laguer en bagaille. Non, c'est automatiquement la dixième partie li appartenir à bon Dieu. Donc c'est des belles leçons que nous avons étudiées, mesdames et messieurs. Non, comme nous toujours disons, nous pas jamais fin gain chance pour que nous bon tout commentaire que nous ta dû faire sur le son yo. Donc commentaire yo toujours bienvenu, nous toujours recevoir yo avec plaisir et nous apprendre de yo en pile. Si pour nous ta gain pour nous fort réponse, n'a toujours fort réponse. Donc n'a pas de pas hésiter pour que toujours faire nous part de commentaire yo. Vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter website là dans etienneministry.com. Laissez un commentaire là. Et puis tout, pas oublier, nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Nous remettons tout. Pendant toute année, ça y est, ou toujours fidèle à la vérité présente, ou toujours à suivre la vérité présente. Donc, nous demandons pour que vous soyez capable d'abonner, si vous pouvez vous abonner. Et demandez aux amis pour abonner. Donc, lorsque vous faites ça, eh bien, vous êtes capable d'aider nous à aller avec le programme ça à travers le monde. Comme vous connaissez, l'église a toujours fonctionné en ligne et en personne. Si vous voulez suivre pasteur Wilfried Bijon, vous pouvez tout faire ça. Et dans chaque jour et chaque week-end, sur Facebook, sur YouTube, et dans belle émission que vous gagnez, émission quotidienne, Be a Blessing. Si vous voulez suivre pasteur Jimmy, vous pouvez faire de même. Si vous voulez suivre, ouais, côté notre sœur Tristan, Alain Tristan, a pu fonctionner, a pu militer, capable de connecter à l'église de là en Floride. Et si vous voulez suivre pasteur Etienne, vous pouvez faire ça chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église, côté que vous voyez. Et vous pouvez capable suivre une belle émission que vous avez, une émission journalière, chaque jour, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h. Regret zamim si ko branché à yon nan programme sa yo. Bien, nous disons merci parce qu'on t'a suivre la vérité présente. Et pour que nous capable terminer, n'a pe mande ou à pour couper tête tout et n'a mande à notre bien-aimé sœur Tristan, il est capable prier pour nous. Béni sois-tu notre Seigneur, notre Dieu pour le privilège d'être appelé tes enfants. Merci pour cette belle leçon. Chaque leçon qui vient, toujours paraît plus belle. Et nous demandons au Seigneur, s'il te plaît, aide-nous pour nous capables d'exploiter la leçon davantage. Et aider auditeurs nous qui prennent le temps de leçon pour capable exploiter également et qu'on s'en va préparer nous pour ton retour en gloire. Pardonne nos péchés, pardonne nos imperfections. Cette grâce, nous la réclamons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la vérité présente. Il y a une émission hebdomadaire qui t'a présenté à vous-même la sixième leçon de l'école du sabbat qui est pour titre Les racines d'Abraham. Nous vous disons merci d'avoir suivi la vérité présente et d'abord rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste.
Oui, Jean-Wilfried. C'est Aléane qui va mourir en pile. N'abdio, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat.